Jamwe boze li yombalio. Emia jaja jua o surale wa utu wa we. Yo fa surale la kli blame you. En 1968 à Diemvié-sous, sous-préfecture de Béoumi, Kokondri Joseph, appelé communément Bozeligio, entame sa formation académique à l'EPP Diemvié-sous pour les cycles primaires. Kokondri Joseph termine ses cycles par les CPE et passe au secondaire au lycée de Béoumi, de Soubré où il obtient le BPC et des gagnois pour la terminale.
Après la classe de terminale, il fait l'université des temps libres sanctionnée d'un diplôme de technicien supérieur d'entreprise. Grand expert des arts martiaux, option kung-fu dans ses études secondaires et universitaires, Kokondri Joseph devient très célèbre parmi les champions de cet art. C'est dans cette vie de célébrité en art martial qu'il reçoit la vocation de Dieu pour le Saint-Ministère. Il entre donc à l'Institut de l'Alliance chrétienne SEMA en 1993 et en sort avec un diplôme théologique pour le ministère pastoral. En 1997, il est promu successivement intendant des paroisses et surintendant des districts avant d'être consacré en 2000. Dans l'exercice de ce ministère, Kokondri Joseph reçoit un autre don de Dieu, celui de l'enseignement sur la vraie bénédiction qui émane de la bonne volonté, du zèle, de la libéralité et de la joie, ce qui forme le beau Zéligio, dont il en fait un concept qui devient très vite son surnom grâce aux nombreux effets de bénédiction sur la vie des fidèles qu'il applique. Bozeligio devient ainsi le plus grand rassembleur, collecteur de fonds et bâtisseur de toute l'histoire de l'église SEMA. Il est donc promis au grade de surintendant de région en 2013. Le révérend Bozeligio va poursuivre ses études théologiques pour obtenir un autre diplôme à l'école de prière de Ouagadougou. Il devient après ce diplôme le directeur national de la prière à l'église SEMA tout en exerçant en plein temps le ministère de prière, de guérison et de miracles par lesquels certains ressuscités vivent aujourd'hui avec une ferme foi en la puissance de Dieu. Il conserve ses titres jusqu'en février 2018 où Dieu l'appelle à d'autres missions pour le salut des âmes. Bozeligio crée alors l'AECM, Alliance des Églises de Christ en Mission, suite à la démission de ses fonctions à l'église SEMA. En 3 ans d'existence, l'AECM compte 30 serviteurs et servantes de Dieu des différents ministères consacrés et une quarantaine de stagiaires. 500 communautés sur l'ensemble du territoire national avec plus de 25 000 fidèles et une communauté à Paris. Le siège de l'AECM est à Yamoussoukro, quartier Kokrino. Le révérend Bozeligio est légalement marié depuis le 16 février 1994 à Boaké. Il est père de 4 enfants. Bozeligio exerce aussi le ministère de la compassion et à ce titre, sa première mission est d'aider les déshérités. Enfin, le révérend Bozeligio est chantre de l'Éternel avec 2 albums de 17 titres. Bozeligio, ayo. Mais on ne peut pas rester sans rien faire.
on a décidé de renouveler le véhicule. Oui, on a renouvelé par la résidence d'abord, de renouveler le véhicule du président. Un véhicule petit 4x4 à hauteur de 15 millions. Ils ne vont pas arriver à la maison aujourd'hui. On a prévu de suivre pour eux aujourd'hui. Entre-temps, on fait la fête. Demain, c'est la grande fête. On invite tout le monde. La 17e édition de la Journée internationale des pasteurs, comme nous avons l'habitude de le faire, c'est une occasion de honorer les serviteurs et servantes de Dieu. Des pasteurs qui ont consacré toute leur vie à prendre soin des âmes. Ces pasteurs, généralement, ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Généralement, lorsqu'on parle des pasteurs, c'est lorsqu'il a mal fait. Et nous nous sommes dit qu'autant on peut critiquer ouvertement le pasteur parce qu'il a mal fait, il faut aussi avoir le courage de le dire publiquement lorsqu'il fait bien son travail. Et au travers de cette cérémonie, nous voulons amener le monde entier à reconnaître le travail merveilleux que le pasteur fait, à reconnaître la valeur de la personne du pasteur pour lui faire aussi du bien. Parce que généralement, les gens travaillent dans les entreprises, ils ont une couverture sociale bien garnie, mais le pasteur est mis à l'écart. Qui doit le faire? C'est le peuple du Seigneur sur lequel le pasteur est établi qui doit penser au bien-être du pasteur. Nous bénissons Dieu parce qu'à cette édition, beaucoup d'églises ont pensé à leurs pasteurs qui ont acheté des maisons, qui ont acheté des véhicules, qui ont acheté des terrains pour faire du bien à leurs pasteurs. En fait, c'est ça le vrai sens de la Journée internationale des pasteurs. Dans le monde entier, il y a des journées consacrées à des entités. Seule l'entité pastorale qui n'a pas de journée jusque-là. Et Dieu merci,
nous avons des personnes qui ont pensé à cela, qui ont initié une journée au cours de laquelle il faut faire du bien à la personne du pasteur. Et c'est aussi l'occasion pour nous d'attirer l'attention à chacune des églises, pour que chacun puisse s'approprier cette cérémonie pour dire que c'est une occasion pour nous de faire du bien à notre Père spirituel. C'est une occasion pour nous de penser à celui-là même qui chaque jour prend soin de nos âmes, qui prend soin de notre vie spirituelle. Donc c'est l'appel que nous voulons lancer. Dites à tous les frères et sœurs que désormais, il y a une lucarne qui est réservée à honorer la personne du pasteur. C'est la première fois que je participe à une conférence de les pasteurs ici. Je suis très content. C'est quelque chose de très important. Et je pense que c'est important parce que tous les pasteurs ils ont besoin d'être soutenus par la prière, par une bénédiction financière, bénédiction matérielle. C'est important parce que la Côte d'Ivoire il a besoin de plusieurs ministères qui ont l'onction de la part de Dieu. C'est pour ça que je suis très content. Je dis merci à toutes les personnes qui ont participé à cette conférence et tous les responsables qui ont préparé cette convention. Dieu bénit toute l'église de l'Assemblée de Dieu, toute l'église évangélique chrétienne en Côte d'Ivoire. Dieu bénit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. C'est pas seulement un jour de célébrité pour nous, mais plutôt une journée qui nous fait comprendre que c'est une prise de conscience et que l'avenir est encore beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Parce que cela nous demande d'être beaucoup plus méritants, d'avoir les attitudes qu'il faut. Donc c'est ce que nous cherchons aujourd'hui à faire comprendre à tous ceux qui sont venus et qui sont autour de nous pour nous accompagner dans cette journée, donc la 17e édition. C'est un honneur parce que vous savez, lorsque vous ne vous attendez pas à ce genre de choses et qu'on vienne vous dire que vous êtes sur la liste des nominés pour aller à une journée d'honneur, bon, vous savez combien de fois cela surprend et vous vous sentez vous-même d'abord honoré. Mais comme je l'ai dit, vous savez que vraiment là, vous avez encore d'autres charges sur les épaules parce que ce n'est pas facile. Il faut reconnaître que prendre sur soi une telle responsabilité d'honorer des hommes de Dieu, de vouloir faire en sorte que ces personnes-là soient reconnues non seulement au niveau de l'Église pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font, et amener aussi les membres de leurs églises à honorer leur papa ou leur père spirituel. C'est pas facile. Et l'initiative qu'a pris le docteur Yao Ben Israël, aujourd'hui c'est la 17e édition, il faut vraiment honorer aussi un tel homme. Parce qu'on l'a vu se battre pour en arriver là. Et c'est vraiment une très belle initiative. Je pense que les pasteurs, ce sont nos guides. Ce sont les hommes qui ont choisi de nous accompagner sur le chemin, la vérité et la vie. Et les distinguer, c'est aussi un honneur pour nous, les leaders, de pouvoir les soutenir. Et en profiter pour parler des messages qui nous tient à cœur, qui tient à cœur à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, c'est la paix et la cohésion. Mais seul Dieu peut nous conduire dans cette paix, seuls les pasteurs peuvent nous conduire dans cette paix. S'ils ne nous guident pas, on va parler de paix, mais on ne pourra pas y arriver. Donc j'ai essayé de les exhorter, leur demander de nous accompagner dans cette paix. Je voudrais encore une fois de plus dire merci à la télévision Béni TV pour l'opportunité qu'elle nous donne de nous exprimer sur cette nouvelle assez intéressante. Mon impression, elle est bonne. Il faut dire qu'après 3 ans d'existence, Dieu nous fait grâce.
Et parmi les meilleurs pasteurs de Côte d'Ivoire, notre président est nominé. Et il est parmi ses meilleurs. C'est une impression largement positive. C'est une impression que je ne peux exprimer par des mots. Je voudrais simplement dire merci au Seigneur pour cette grâce et pour cet honneur qu'il a fait à l'église AECM pour nous mettre à cette place, à cette position assez honorable. Je voudrais encore, par ce micro, dire merci à l'ONG Les Amis d'Israël qui, dans sa quête de recherche d'excellence dans le service du Seigneur, a mis les yeux sur le révérend Bosé, qui aussi est un homme qui cherche le bien-être. Ce qui est bien se met toujours au service du Seigneur. C'est d'ailleurs cela qui l'a poussé à quitter son ancienne église, parce qu'il ne pouvait pas comprendre que cette grâce que lui a permis d'avoir, Dieu a permis qu'il ait, il ne puisse pas mettre à la disposition de tout le monde. Je voudrais dire merci à cette ONG qui nous a donné l'opportunité, qui a donné l'opportunité donc aux serviteurs d'être vus et qui, pour que tout le monde puisse profiter de cette grâce et de cette bénédiction que Dieu a mise en lui. L'église AECM avance réellement. On a vu que Dieu fait des miracles et encore à travers cette cérémonie, nous avons vu que Dieu avec l'église AECM et l'AECM avance progressivement. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour tout ce que Dieu fait, parce que nous avons vu des difficultés, mais néanmoins, Dieu continue de bénir l'AECM et agrandir l'AECM. Donc nous voulons dire sincèrement merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour l'AECM. Je voudrais dire merci à Dieu, rendre gloire à l'Éternel, parce que le ministère pastoral est un ministère bien que noble, mais avec beaucoup de difficultés. Souvent c'est avec des larmes. Voici que Dieu nous a envoyés à une autre mission, 3 ans seulement. Et nous sommes en train de fêter l'excellence, c'est-à-dire révérend Bosé, primé, meilleur pasteur. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais sur le plan international. Alors, je suis très reconnaissant au peuple de Dieu, à tous ces pasteurs qui sont derrière moi, qui sont venus célébrer l'excellence. Et Bosé, nous ne sommes pas encore à la fin. C'est la course. Nous continuons. Le monde entier est en train de nous dire que révérend Bosé, c'est le moment de continuer l'œuvre. C'est le moment de te battre. C'est le moment de prendre soin du peuple de Dieu, afin que, à la fin, non seulement nous avons reçu cette couronne sur la terre, mais la plus grande nous attend dans les cieux. Et donc, je rends gloire à l'Éternel. Bosé, 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 Bos